Voilà, dernière feuille. Let's go. Dernier niveau de Unravel. Ah bah voilà, l'enterrement. C'est ça. Ah finalement on était bon hein, au niveau du lore, on avait tout compris. En fait c'est un jeu hyper triste. Tu te dis oh t'es tout mignon, c'est trop bien, etc. Mais en fait c'est super triste. Tu peux avancer là? Ah oui d'accord, c'est la tempête de... c'est fait exprès. Et je peux même m'accrocher? Il a froid. On peut pas se réchauffer avec la lampe? On peut la pousser. Non, la lampe va s'éteindre! Il y a une tempête! Non? On peut rien faire avec la lampe? Genre... On peut pas l'accrocher, non? Bon, bah on continue notre chemin. Hein. Mais il fait tout noir. Non, je vais mourir. Et je suis mort. Je crois qu'il faut faire un truc avec la lampe. On va la faire descendre. Je peux pas l'attraper. L'attraper. Ah! Ah, faut vraiment que je reste. Non, je me suis fait souffler comme une merdasse. Est-ce que je peux faire un nœud? Non, je peux pas faire de nœud. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je peux lancer autour du... D'accord, bah ouais, bah, fallait le savoir, c'est la première fois qu'on peut faire cette interaction. D'accord. Ok, je peux lancer la laine autour de la lampe. Donc là, je vais la traîner, quand je vais me faire souffler, bah du coup, finalement, je vais rester accroché. Le jeu est vraiment beau. Ah ouais, ouais, non, pour le coup. Pour ça, principalement, que je voulais jouer, parce qu'il avait une très bonne note, et qu'il était super bon. Donc là, ah c'est juste un gros tas de neige, ok, donc on peut tirer. Vas-y, let's go. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Ouch, ouch, ouch. C'est bon. Et là on s'accroche. Là ça fonctionne. Ma technique fonctionne. Tant qu'on lâche pas, c'est bon. Par contre, oui, on, voilà. À un moment donné, on est à court de laine, hein, c'est pas possible. Ça c'est bon, on continue de tirer. Moi je vais pouvoir lui faire monter. Attention, soufflante. Ouais, c'est pour ça. J'attendais, je réfléchissais, mais j'attendais que la soufflante passe. Parce que sinon, on est dans le caca. Ah! Ah, mais c'est un pont! C'est fou. Ah, c'est facile. Hein. Easy. Let's go! Je sais pas où on va avec la lampe, mais on y va. Et genre, la bougie qui tient avec une tempête et de la neige de partout. Je sais pas où c'est, où ils l'ont acheté, mais c'est pas chez Ikea, je pense. On s'accroche là. On tire. Yeah! Oh, 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 oh garçon. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut faire un... Bon. D'accord, c'est bon. C'est tout bon. Un stream Subnautica, je pense que tu... Pas que tu l'aies testé, c'est jeu, mon jeu préféré de tous ceux qui existent à offline. Ouais, je sais pas, Subnautica, ça me paraît... c'est de l'exploration, de la récolte... c'est pas... c'est pas ouf, quoi. Oh là! Oh non, 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 non. C'est bon. Hop là, passage au McDo, on reprend la bougie et on est reparti. Je sais pas où on va avec cette bougie mais on y va. Hein. Le personnage ressemble plus du tout. Ah voilà, c'est bon. Il ressemblait plus du tout à un bonhomme de laine. Hein. Il ressemblait à un bonhomme de neige. À quoi va me servir ce truc là? Ah, j'ai compris. Il faut s'attacher parce que sinon on s'envole. On va faire des nœuds à chaque étape, c'est ça? Ok. Voilà. C'est stratégique. Let's go. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On fait le nœud.
On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On s'accroche, on va se faire souffler. On est bon. On monte, on monte, on monte, on monte. On s'accroche, on sait jamais. C'est une DR soufflante. Et voilà. On monte, on monte, on monte. On va y arriver, on va y arriver. Non mais ça suffit. Mais comment tu veux... Oh, on va pas être copains là. Ça va pas être possible monsieur. Ah je sais ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Je la coupe courte. Voilà. J'attends que le vent y passe. Et là j'y vais. Normalement je devrais avoir assez de timing. Oh non, j'ai perdu ma lampe! Ah non, il fait froid! Non, mais saute, 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 saute pour te réchauffer, bonhomme! Putain, il faut que je recommence, je remonte le chemin. C'est fou. Cuphead! Ouais, Cuphead, c'est beau, mais c'est hardcore si je me rappelle bien. À tester. J'ai assez d'argent, ouais. Après, on... moi, ça me dérange pas de jouer des jeux de... comme ça, mais. C'est plus un jeu de vraiment Die and Retry quoi. À l'époque j'ai déjà fait Super Meat Boy. Qui était un très très bon jeu aussi. Super Meat Boy c'était un très très bon jeu. J'avais joué à l'époque. What? Non! 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 Non, ma lampe, elle est passée à travers comme par magie! Oh bah non! Oh bah non, il fait froid d'un seul coup là! Ah bah oui, on va mourir! Comment réfléchir? Comment on peut faire là? Est-ce qu'il y a une plateforme qui bouge? Monte! Est-ce qu'on peut faire du surf? Que la lampe finalement c'est peut-être anecdotique. Monte! Putain, on a l'impression d'être dans le Titanic! C'est bon! Ah bah non, elle est partie sans moi! Non! J'aurais dû rester dessus. Putain. Ok, la lampe aux F du coup. Donc en gros, on reste sur la plateforme de fin peut-être. Ça devrait suffire. Ou pas, vu la gueule qu'elle a. Hé hé, on va rester sur celle-là plutôt. Ya, on fait du surf. Faut bien se mettre derrière. Hein. C'est comme ça le surf. Faut se mettre derrière pour avoir justement toute la possibilité d'aller de l'avant. Oh là là, oh là là, c'est bon. Donc là, on reste là. Et vu qu'il y a une fissure au milieu. Voilà. On doutait. On fait le nœud. Yeah. On fait... Ah ouais. D'accord. Ça va rien. Oh. Oh oh. Oh. Ah ça c'est pas fun. C'est bon, on bouge plus. Là on est sur un tas de glaçons qui ne coulent pas. Non, si j'ai rien dit, ça coule. Ah ça coule. Monte, monte. C'est bon. Ah ouais, là on est en mode Titanic. Hein. Il y a des portes qui flottent, on est en galère. Hein. Juste une racine de l'arbre, pas de panique. On est vraiment sur la fin, là on a plus l'esprit unravel. Ah, j'ai raté un truc, j'ai dû me... Il y a un endroit où je pouvais m'accrocher peut-être. Ici? Non. On a plus l'esprit unravel, là, hein. Là c'est vraiment la fin comme si voilà, on arrivait sur le gros finish. On va attendre la prochaine soufflante. Il fait froid là, hein, si on peut se dépêcher, non?
Pas de soufflante. Hop là, on s'accroche. On peut y aller. Après, tu peux pas adorer ce Subnautica, au moins teste le hors thème, tu vas forcément. J'ai pas le temps, hors thème. C'est bien pour ça que je fais ces streams. Il est tout rachitique! Qu'est-ce qu'il a chopé? Ah, il a chopé la dernière partie! Le cœur manquant. Oh, il se tue pour récupérer le dernier? Non. Et donc là, il y a quelqu'un qui a récupéré avec sa moufle la laine et le demi-cœur. Mais il est vivant. Parce que c'est les bonhommes de laine ne meurent pas. Par contre, je suis où, là ? Ah, mais on est avec le demi-cœur dans la main. Ah, on peut s'accrocher aux lumières. D'accord. Oh, super beau là pour le coup. Ça, à quoi ça sert toutes ces loupioles? Genre, pourquoi il y en a autant? Il suffit d'en mettre une qui fait l'ascenseur en fait. Ah, parce qu'elles vont dans le sens que tu vises? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Parce que elles sont pas si intelligentes que ça, les. On va où là? Les loupioles sont pas si intelligentes que ça. On fait ça, 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 et on y est. Tadam! Est-ce qu'il y a des trucs à explorer là-haut? Parce que je vois plein de loupioles partout là. Non, c'est juste histoire de se balader. On peut faire un voyage en loupiole ou en version à pied, comme tu veux. Tu choisis ton chemin. Monte! Ah! Monte! Monte! Oui! Fou. Ah non! Ah, shit. J'ai glissé, chef. Yololi! Yeah! Est-ce qu'il peut monter? Ah non, mon décision est du but! Est-ce qu'il peut faire ça? Ah, mais il y en a une autre là. Hop là! On est bon! On est dans les pâquerettes! Non, c'est des Edelweiss. Je les connais en fleurs. Oh, on peut faire des trucs. On pourrait même faire un jeu basé sur du freestyle. Faire comme ça, quoi. Et on l'appellerait Speedrunner, je crois que c'est ça. Il y a un jeu qui s'appelle comme ça, un jeu pareil sur Steam, où tu dois faire des courses, tu peux faire des courses online ou en coop. Et faire que des trucs de grappin comme ça et de finir la map au plus vite. Ah, je peux faire quelque chose là? Ah d'accord. J'attendais, mon personnage il faisait rien. Ah, on reparcourt tout le jardin! Ah oui, on ramène le demi-cœur. Et là on rentre dans la maison. Tout. Et bien c'est que il y a une notion des fois de laine manquante des fois qui part très vite et là à part qu'au tout jardin il n'y a pas eu quasiment pas de problème quoi. Euh,
faut prendre en haut à gauche pour monter en haut à droite, c'est ça? Ou pas? Ou pas? Et Hubert qui est venu tout seul. Et on revient dans la maison. Tadadam. Succès, renouveau. La violence. Est complété. L'amour crée des liens semblables à des fils de laine. Eh, ça va trop vite! Attends, madame! Comme la laine, ces liens peuvent être fragiles ou s'en mêler. Mais quand on en prend un soin, ils peuvent relier un être à un autre. Wow. Du coup, avant, il y avait des choses? On l'avait vu celui-là? Bah, non, on l'avait pas vu ça. On l'avait pas vu ça. Il nous a zappé tout ça là-haut. Dernière feuille. Le passé peut nous aider à tenir bon. Peut-être une force et une consolation. Mais si on refuse de s'en détacher, il peut nous entraîner vers le fond. Donc ça, c'est l'enterrement du grand-père du coup. Avec la grand-mère qui est là, les enfants, les petits-enfants. Et je dirais que la grand-mère est décédée aussi maintenant. Renouveau. Chaque fin cache un nouveau début. La vie nous chahute et nous cabosse. Mais elle ne nous brise que si on la laisse faire. Il faut toujours essayer, toujours se battre pour elle. Merci d'avoir joué un Unravel. Ah, au moins là, voilà, il t'impose pas un crédit. Il même met les développeurs en photo, c'est magnifique. C'est sympa! C'est un jeu allemand, je suppose, ou un truc comme ça, un truc des pays soit nordiques. Ciao Agam, si t'es encore là, et yo Urban Watch! Des remerciements. IA nous a aidé à créer Yarny. Voici leur équipe. Donc le bonhomme de laine s'appelle Yarny. Ok. On aura du coup des nouvelles sur le Unravel 2. On verra bien ce que ça donne. Bon, par contre, chez EA, quand ils embauchent quelqu'un, c'est par paquet de 200. Donc, quand il y a un jeu, c'est beau avoir un petit studio qui développe le truc. À la fin, tu fais une coopération avec EA ou une grosse boîte comme ça. Et là, tu te retrouves avec 50 noms. Licence. Non, il y a même des trucs. Nous voilà donc à la fin du voyage. C'est un voyage de créer un jeu.
Un voyage avec des hauts et des bas, des découvertes, des leçons et plein de trésors à découvrir. Pour nous, ce voyage a été incomparable. Nous avons adoré créer ce jeu et nous espérons vraiment que vous avez aimé y jouer. De la part de toute l'équipe de Coldwood, merci.